Göbekli Tepe in Turkey, which is 11,600 years old. It's 5,000 years old than the supposed oldest megalithic structures. Enormous megalithic structure, probably the biggest megalithic structure on Earth. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. A lot of people are puzzled by Stonehenge in England. You see the sun rising in direct alignment with the view, and the heel stone is like the sight on the barrel of a rifle targeting the sun, and that was there naturally. Earth was speaking to sky. So this, if it were true, and it is true, would put the Sphinx back to a much earlier period. What isn't speculation is the dating, because carbon dating doesn't date stone. It dates organic materials. So the notion that you can date a megalithic site with carbon dating is questionable right away. In the case of Göbekli Tepe, one of the very special things about it is that it was deliberately buried. The notion that different types of civilization can coexist on the same planet shouldn't be surprising to us, because we do it, and that's what I'm suggesting was the case back then. It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. And there was a tendency to think, well, you have this evidence of cultural habitation of this area for centuries or millennium, and then suddenly you don't. Mass death, mass mortality events. Göbekli Tepe, le plus ancien temple du monde. Notre voyage commence à Göbekli Tepe, situé dans le sud-est de la Turquie. Découvert dans les années 1990 par l'archéologue allemand Klaus Schmidt, Göbekli Tepe est considéré comme l'une des découvertes archéologiques les plus significatives du 21e siècle. Mais qu'est-ce qui rend ce site si étonnant? Göbekli Tepe date d'environ 9500 AVJ C, ce qui en fait un site vieux de plus de 11 000 ans. Cela précède l'avènement de l'écriture, de la poterie et même de l'agriculture. Le site se compose d'une série de grands piliers en pierre disposés en formation circulaire, dont certains mesurent plus de 5 mètres de haut et pèsent jusqu'à 20 tonnes. Les piliers sont ornés de sculptures complexes d'animaux, notamment des renards, des lions et des oiseaux, qui peuvent représenter des significations totémiques ou symboliques. L'interprétation de Hancock sur Göbekli Tepe suggère qu'il ne s'agissait pas simplement d'un lieu de culte, mais d'un centre névralgique pour un réseau complexe de sociétés anciennes. Il postule que les techniques de construction avancées et la sophistication artistique du site impliquent un niveau d'organisation sociale et de prouesse technologique bien au-delà de ce qui était auparavant considéré comme possible pour cette période. Hancock hypothèse également que Göbekli Tepe a été construit par une civilisation hautement avancée qui possédait des connaissances ésotériques et une compréhension profonde de l'astronomie et de la géométrie. Le Sphinx et les pyramides de Gizeh, une énigme ancienne. La prochaine étape de la liste de Hancock est le Sphinx et les pyramides de Gizeh, l'un des sites les plus emblématiques et énigmatiques du monde. Bien que l'archéologie traditionnelle date ces structures d'environ 2500 AVJ, Hancock présente une perspective controversée qui remet en question cette chronologie conventionnelle. Selon Hancock, le Sphinx, avec son corps de lion et sa tête humaine, pourrait être beaucoup plus ancien que ce que l'on croit traditionnellement. Il soutient que les motifs d'érosion sur le Sphinx suggèrent qu'il a été exposé à des pluies importantes, ce qui situerait sa construction à une époque bien antérieure, possiblement vers 10 000 AVJC. Cela placerait sa construction à une époque où le Sahara était luxuriant et verdoyant, en contraste frappant avec le paysage désertique aride d'aujourd'hui. Les recherches de Hancock s'étendent également aux pyramides, qu'il croit avoir été construites en utilisant des connaissances et des technologies avancées qui ont été perdues dans l'histoire. Il suggère que les pyramides n'étaient pas seulement des tombes, mais des centres astronomiques et spirituels, conçus pour encoder des connaissances astronomiques et s'aligner avec des événements célestes spécifiques. Les théories de Hancock proposent que le plateau de Gizeh détient des indices sur une civilisation beaucoup plus ancienne qui était profondément connectée aux étoiles et possédait une compréhension sophistiquée du cosmos. Pumapunku, les ruines énigmatiques de Bolivie. Notre troisième étape est Pumapunku, un site archéologique situé dans les montagnes des Andes en Bolivie.
Pumapunku fait partie du complexe plus vaste de Tiwanaku, qui date d'environ 500 de notre ère. Cependant, Hancock soutient que les véritables origines du site pourraient être beaucoup plus anciennes et entourées de mystères. Pumapunku est renommé pour ses énormes blocs de pierre, certains pesant plus de 100 tonnes, qui sont découpés avec précision et s'emboîtent de manière complexe. La précision du travail de la pierre et l'ampleur même de la construction ont intrigué les archéologues et les ingénieurs pendant des années. Hancock suggère que le niveau de savoir-faire et d'ingénierie observé à Pumapunku indique la présence d'une civilisation hautement avancée, possédant des connaissances qui dépassent notre compréhension actuelle de la technologie ancienne. Hancock explore également la possibilité que Pumapunku ait été partie d'un réseau plus vaste de sites préhispaniques partageant des connaissances technologiques et culturelles. Il propose que le site ait pu être un centre d'importance astronomique et religieuse servant de point focal pour une civilisation possédant une connaissance avancée à la fois des cieux et de la terre. Stonehenge, les mystères des îles britanniques. Stonehenge, situé à Wiltshire, en Angleterre, est un autre site qui figure sur la liste de Hancock. Ce monument emblématique, composé de blocs de pierre massifs disposés en formation circulaire, a longtemps été le sujet de fascination et de spéculation. Bien que la vision conventionnelle date Stonehenge d'environ 2500 AVE JC, les recherches de Hancock offrent une perspective différente. Hancock suggère que la construction de Stonehenge a pu commencer beaucoup plus tôt, vers 8000 Adwepu AVE JC, et que son but était beaucoup plus complexe que ce que l'on pensait auparavant. Il soutient que Stonehenge n'était pas seulement un site cérémoniel, mais aussi un observatoire astronomique qui s'alignait avec des événements célestes significatifs, tels que les solstices et les équinoxes. Les recherches de Hancock indiquent que Stonehenge faisait partie d'un réseau plus large de structures mégalithiques à travers les îles britanniques, toutes intimement connectées aux pratiques astronomiques et spirituelles anciennes. De plus, Hancock explore l'idée que les bâtisseurs de Stonehenge possédaient des connaissances avancées en géométrie et en mathématiques. La précision avec laquelle les pierres ont été placées et l'alignement de la structure avec des événements célestes suggèrent que les créateurs avaient une compréhension profonde du monde naturel et de ses rythmes. Angkor Wat, les secrets cachés du Cambodge. Notre dernière destination est Angkor Wat, le plus grand monument religieux au monde, situé au Cambodge. Construit à l'origine au début du XIIe siècle de notre ère, Angkor Wat est réputé pour son architecture complexe et ses superbes bas-reliefs. Cependant, les recherches de Hancock suggèrent qu'il existe des aspects cachés d'Angkor Wat qui ont été négligés ou mal compris. Hancock postule que la conception d'Angkor Wat n'est pas seulement un reflet de la cosmologie hindoue, mais encode également des connaissances astronomiques et mathématiques. Il explore la possibilité que le complexe temple ait été construit selon des principes avancés de géométrie sacrée, conçu pour refléter l'ordre cosmique et s'aligner avec des événements célestes. De plus, Hancock examine l'idée qu'Angkor Wat faisait partie d'un réseau plus vaste de sites anciens partageant des connaissances et des pratiques culturelles. Il suggère que le complexe temple pourrait avoir été un point focal pour une civilisation sophistiquée qui avait une profonde compréhension de l'astronomie, de l'architecture et du symbolisme religieux. Göbekli Tepe, souvent salué comme le plus ancien temple du monde, est un site archéologique qui a profondément modifié notre compréhension des civilisations anciennes. Découvert dans le sud-est de la Turquie, ce site monumental date d'environ 9600 AVE JC. Bien plus tôt que toutes les structures de temples connues auparavant. Le site a suscité une fascination et un débat intense parmi les archéologues, les historiens et les passionnés. Ce script plonge dans les profondeurs de Göbekli Tepe, explorant sa découverte, ses caractéristiques complexes, ainsi que les théories concernant son but et sa signification. 1. Découverte et excavation. Göbekli Tepe a été identifié pour la première fois comme un site archéologique en 1994 par Klaus Schmidt, un archéologue allemand travaillant avec le département des antiquités turques.
Le premier sondage de Schmidt a révélé une série de piliers en pierre disposés en formation circulaire, conduisant à la reconnaissance de l'importance exceptionnelle du site. L'excavation à Göbekli Tepe a commencé sérieusement en 1995, et depuis lors, le site a été le centre d'un vaste travail archéologique. La découverte a été révolutionnaire, car elle a remis en question les hypothèses précédemment établies concernant le développement de sociétés complexes. Avant Göbekli Tepe, on croyait que de grandes structures religieuses organisées étaient apparues après le développement de l'agriculture et des sociétés sédentaires. Göbekli Tepe, cependant, précède l'agriculture, suggérant que des structures religieuses et sociales complexes existaient avant l'avènement de l'agriculture. 2. L'architecture de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe est renommée pour son architecture impressionnante et énigmatique. Le site se compose d'une série d'enceintes mégalithiques circulaires et ovales, chacune comportant de grands piliers en forme de T. Ces piliers, certains atteignant jusqu'à 6 mètres de hauteur et pesant plusieurs tonnes, sont finement sculptés avec une variété de symboles et de motifs animaliers. La caractéristique la plus frappante de Göbekli Tepe est ses grands piliers centraux, qui sont disposés en un motif circulaire ou ovale. Ces piliers centraux sont souvent entourés de piliers secondaires plus petits, créant un agencement architectural complexe et stratifié. Le site comprend plusieurs enceintes, désignées par enceinte A, enceinte B, etc., chacune ayant des caractéristiques et des agencements distincts. Le savoir-faire des piliers en pierre est remarquable. Beaucoup de ces piliers sont ornés de bas-reliefs d'animaux, y compris des serpents, des scorpions, des lions et des oiseaux. Ces sculptures sont considérées comme ayant une signification symbolique ou rituelle, bien que leur signification exacte reste un sujet de recherche et de débat en cours. 3. Les piliers et sculptures énigmatiques. Un des aspects les plus intrigants de Göbekli Tepe est l'éventail de sculptures trouvées sur les piliers. Les sculptures représentent une gamme d'animaux, dont certains ne sont pas natifs de la région, comme les lions et les crocodiles. La présence de ces animaux exotiques suggère que les bâtisseurs avaient un système symbolique complexe et étendu. Les sculptures incluent également des symboles abstraits et des motifs géométriques, ce qui a conduit à diverses interprétations. Certains chercheurs croient que les symboles pourraient représenter une forme de proto-écriture ou de communication symbolique précoce. D'autres suggèrent que les sculptures sont purement décoratives, servant à améliorer les qualités esthétiques et rituelles du site. 4. Le but et la fonction de Göbekli Tepe. Le but de Göbekli Tepe a été l'objet de nombreuses spéculations. L'échelle monumentale du site et ses sculptures élaborées suggèrent qu'il a servi de centre religieux ou cérémoniel significatif. Cependant, sa fonction exacte reste incertaine. Une théorie importante est que Göbekli Tepe était un centre de culte ou de rituel communautaire. Les grandes enceintes du site et les sculptures impressionnantes sur les piliers suggèrent qu'il était un lieu de rassemblement et d'activité cérémonielle. La construction d'un tel site aurait nécessité une organisation et une coopération substantielles, indiquant la présence d'une structure sociale complexe. Une autre théorie propose que Göbekli Tepe servait de centre de vénération des ancêtres. Les enceintes circulaires du site et la présence de sculptures d'animaux pourraient avoir été destinées à honorer ou à communiquer avec des ancêtres ou des divinités. Les sculptures pourraient représenter des totems ou des représentations symboliques d'esprits ancestraux. 5. La datation et la construction de Göbekli Tepe. La datation de Göbekli Tepe a été un aspect critique de son étude. La datation au radiocarbone des échantillons de charbon du site a établi ses origines autour de 9600 AVMI-JC, le rendant plus ancien que d'autres structures mégalithiques connues de plusieurs millénaires. Cette datation place Göbekli Tepe à la fin du Paléolithique, avant l'avènement de l'agriculture. Les techniques de construction utilisées à Göbekli Tepe sont également notables. Les bâtisseurs du site ont employé des techniques de travail de la pierre avancée, y compris le découpage et le façonnage précis des piliers.
le transport et l'érection des énormes pierres auraient nécessité une connaissance sophistiquée de l'ingénierie et de la logistique. Les méthodes utilisées pour créer et transporter les piliers sont encore à l'étude. Certains chercheurs suggèrent que les pierres ont été extraites localement, puis transportées sur le site à l'aide de traîneaux ou de rouleaux en bois. La construction des enceintes impliquait le creusement de grandes fosses dans lesquelles les piliers étaient enfixés et l'arrangement soigné des pierres pour créer les agencements circulaires. Stis, l'abandon et l'enfouissement de Göbekli Tepe. Un des aspects les plus intrigants de Göbekli Tepe est son abandon et son enfouissement soudain. Le site semble avoir été intentionnellement enterré vers 8000 AV Jibosé, peu après sa construction. Les raisons de cet abandon et de cet enfouissement ne sont pas entièrement comprises, mais plusieurs théories ont été proposées. Une théorie suggère que le site a été abandonné en raison d'un changement dans les pratiques sociales ou religieuses. La communauté qui a construit Göbekli Tepe a pu déplacer son attention vers d'autres lieux ou développer de nouvelles formes d'expression religieuse. Une autre théorie propose que des facteurs environnementaux, tels que le changement climatique ou l'épuisement des ressources, ont pu contribuer à l'abandon du site. L'enfouissement de Göbekli Tepe pourrait avoir été un acte délibéré destiné à protéger ou à préserver le site. La couverture du site avec de la terre et des débris a effectivement préservé les structures et les sculptures, permettant à celles-ci de rester relativement intactes jusqu'à leur redécouverte dans les années 1990. 7. Les implications de Göbekli Tepe pour comprendre les civilisations anciennes. Göbekli Tepe a d'importantes implications pour notre compréhension des civilisations anciennes. Le site remet en question le récit conventionnel du développement humain, suggérant que des structures sociales et religieuses complexes existaient bien avant l'avènement de l'agriculture et des sociétés sédentaires. La découverte de Göbekli Tepe a incité à une réévaluation de la chronologie et du développement des premières sociétés humaines. Le site démontre que les communautés préhistoriques étaient beaucoup capables de construire des monuments à grande échelle et d'organiser des rituels complexes. Il soulève également des questions sur les origines de la religion et le rôle des pratiques cérémonielles dans les premières sociétés humaines. La présence de techniques avancées de travail de la pierre et l'agencement sophistiqué de Göbekli Tepe suggèrent que les sociétés anciennes étaient plus complexes et innovantes qu'on ne le pensait auparavant. Le site fournit des preuves d'un haut niveau d'organisation sociale et de capacité technologique, remettant en question les hypothèses traditionnelles sur la progression du développement humain. 8. L'état actuel de la recherche et les directions futures. La recherche à Göbekli Tepe est en cours et de nouvelles découvertes continuent d'éclairer l'histoire et la signification du site. Les archéologues et les chercheurs s'efforcent de découvrir plus de détails sur la construction, l'utilisation et l'abandon du site. Des fouilles sont menées pour explorer des zones du site qui n'ont pas encore été examinées et pour mieux comprendre son contexte dans le paysage plus large. Les recherches futures se concentreront probablement sur plusieurs domaines clés, notamment l'analyse des artefacts et des matériaux trouvés sur le site, l'étude de la relation du site avec d'autres sites préhistoriques de la région et l'exploration des pratiques culturelles et religieuses des personnes qui ont construit Göbekli Tepe. Les avancées technologiques, tels que le radar pénétrant le sol et l'imagerie 3D, pourraient fournir de nouvelles informations sur l'agencement et les techniques de construction du site. L'étude continue de Göbekli Tepe continuera de remettre en question et de préciser notre compréhension des sociétés préhistoriques. À mesure que de nouvelles découvertes sont faites, elles contribueront à une image plus complète de la civilisation humaine primitive et de son développement. 9. Göbekli Tepe dans la culture populaire et les médias. Göbekli Tepe a captivé l'imagination du public et a été présenté dans divers médias et dans la culture populaire. Des documentaires, des livres et des articles ont exploré l'histoire et la signification du site, le rendant accessible à un public plus large. Le site a été présenté dans de nombreux documentaires, y compris ceux produits par le History Channel et National Geographic. Ces programmes ont mis en avant la découverte du site,
ses caractéristiques architecturales et les théories entourant son but. Des livres et articles populaires ont également examiné Göbekli Tepe, discutant de ses implications pour notre compréhension de l'histoire ancienne et de son impact sur l'étude des civilisations préhistoriques. Göbekli Tepe a également inspiré des spéculations et des théories dans la culture populaire. Le site a été associé à divers mythes et légendes, y compris ceux liés aux civilisations anciennes et aux technologies perdues. Bien que ces théories manquent souvent de preuves scientifiques, elles reflètent la fascination généralisée pour Göbekli Tepe et sa nature énigmatique. 10. Conclusion. L'héritage de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe reste un témoignage de l'ingéniosité et de la complexité des sociétés préhistoriques. Sa découverte a révolutionné notre compréhension de la civilisation humaine primitive, remettant en question les récits traditionnels et ouvrant de nouvelles voies de recherche. L'impressionnante architecture du site, ses sculptures complexes et son but énigmatique continuent de captiver chercheurs et passionnés. Au fur et à mesure que la recherche à Göbekli Tepe progresse, elle fournira sans aucun doute de nouveaux aperçus sur les origines de la religion, de l'organisation sociale et du développement technologique. L'héritage du site s'étend au-delà de sa signification historique, inspirant une exploration et une enquête continue sur les mystères de notre passé ancien. En résumé, Göbekli Tepe représente une réalisation remarquable dans l'histoire humaine, offrant un aperçu d'une époque où les sociétés anciennes construisaient des structures monumentales et s'engageaient dans des rituels complexes. Sa signification va bien au-delà de ses dimensions physiques, redéfinissant notre compréhension des origines et du développement de la civilisation humaine. Les sphinx et les pyramides de Gizeh se dressent comme des symboles monumentaux de l'Égypte ancienne, incarnant la grandeur et le mystère de l'une des plus grandes civilisations de l'histoire. Ces structures emblématiques ont captivé les chercheurs, les historiens et les passionnés pendant des siècles, inspirant d'innombrables théories et débats sur leurs origines, leurs buts et les personnes qui les ont construites. Ce script se penche sur les détails complexes de ces structures énigmatiques, explorant leur histoire, leur architecture et les diverses théories entourant leur construction et leur but. 2. Les pyramides de Gizeh. Un aperçu. Les pyramides de Gizeh, situées sur le plateau de Gizeh près du Caire, sont parmi les monuments les plus reconnaissables et les plus étudiés au monde. Elles se composent de trois pyramides principales, la Grande Pyramide de Gizeh, également connue sous le nom de Pyramide de Khéops, la Pyramide de Khéphren et la Pyramide de Mykérinos. Ces structures colossales ont été construites pendant la 4e dynastie de l'ancien empire égyptien, vers 2580-2560, Avemiri J.C., pour la Grande Pyramide, et plus tard, pour les deux autres pyramides. 2.1. La Grande Pyramide de Gizeh. La Grande Pyramide de Gizeh, également connue sous le nom de Pyramide de Khéops ou Khoufou, est la plus grande et la plus célèbre des trois pyramides. Elle a été construite pour le pharaon Khoufou, le deuxième souverain de la 4e dynastie. Mesurant à l'origine environ 146,6 mètres, 481 pieds, de hauteur, la Grande Pyramide a été la plus haute structure artificielle du monde pendant plus de 3800 ans. La pyramide est composée d'environ 2,3 millions de blocs de pierre, chacun pesant entre 2,5 et 15 tonnes. La précision avec laquelle ces blocs ont été taillés et assemblés témoigne des compétences d'ingénierie avancées des anciens Égyptiens. La Grande Pyramide était à l'origine recouverte de pierres de revêtement en calcaire, tura lisse et blanche, qui réfléchissaient la lumière du soleil et donnaient à la pyramide un aspect brillant et poli. 2.2. La pyramide de Khafr. La pyramide de Khafr, également connue sous le nom de pyramide de Khéphren, est la deuxième plus grande des trois pyramides et a été construite pour le pharaon Khafr, le fils de Khoufou. Bien qu'elle semble plus haute que la Grande Pyramide en raison de sa position élevée, elle est en réalité légèrement plus courte. Mesurant à l'origine 143,5 mètres, 471 pieds,
elle mesure maintenant environ 136 mètres, 446 pieds, en raison de la perte de ses pierres de revêtement extérieur. La pyramide de Khafre est remarquable pour sa caractéristique architecturale distinctive. Une partie de ses pierres de revêtement d'origine subsiste au sommet, offrant un aperçu de l'apparence originale de la pyramide. Le complexe pyramidal comprend également le Grand Sphinx, qui est étroitement associé à Khafre et sert de figure gardienne pour la pyramide. 2.3. La pyramide de Menkaure. La pyramide de Menkaure est la plus petite des trois pyramides, construite pour le pharaon Menkaure, successeur de Khafre. Mesurant à l'origine 65 mètres, 213 pieds de hauteur, la pyramide de Menkaure est significativement plus courte que les deux autres pyramides. Elle a été construite avec une approche différente, incorporant des blocs de granit dans ses niveaux inférieurs, ce qui contribue à son apparence distincte. La pyramide de Menkaure était à l'origine revêtue de calcaire Toura, mais la plupart de ce revêtement a été enlevé au fil des siècles. Le complexe pyramidal comprend trois pyramides plus petites, qui ont été construites pour les reines de Menkaure et les membres de sa famille. 3. Technique de construction et théorie. La construction des pyramides de Gizeh reste l'un des sujets les plus débattus en archéologie. Malgré des recherches et des analyses approfondies, de nombreux aspects des techniques de construction utilisées par les anciens Égyptiens ne sont toujours pas entièrement compris. Plusieurs théories ont été proposées sur la manière dont les pyramides ont été construites, chacune offrant des perspectives différentes sur les méthodes et les technologies employées. 3.1. Théorie des rampes. L'une des théories les plus largement acceptées est l'utilisation de rampes pour transporter les blocs de pierre massifs vers le site de construction. Plusieurs types de rampes ont été proposées, y compris des rampes droites, des rampes en zigzag et des rampes circulaires. Rampe droite. Cette théorie suggère qu'une longue rampe droite a été construite menant à la pyramide. La rampe aurait été utilisée pour traîner les blocs de pierre jusqu'au niveau supérieur de la pyramide. Cependant, cette approche nécessiterait une quantité énorme de matériaux et d'espace, ce qui en ferait une option difficile. Rampe en zigzag. Une autre théorie propose qu'une série de rampes en zigzag ait été construite le long des côtés de la pyramide. Ces rampes auraient permis aux ouvriers de déplacer les blocs de manière plus gérable. Des preuves de telles rampes ont été trouvées sur certains sites archéologiques, soutenant cette théorie. Rampe circulaire. Une théorie plus récente suggère qu'une rampe circulaire a été construite autour de la pyramide, s'enroulant vers le haut au fur et à mesure de la progression de la construction. Ce design aurait permis une montée plus continue et graduelle, réduisant le besoin de matériaux et d'espace extensif. 3.2. Système de levier. Certains chercheurs proposent que des leviers aient été utilisés en combinaison avec des rampes pour soulever les blocs de pierre en place. En utilisant des machines simples comme des leviers, les anciens Égyptiens auraient pu manœuvrer plus efficacement les lourds blocs. Cette théorie est soutenue par des preuves de marques d'outils et d'instruments trouvés sur les sites de construction. 3.3. Théorie basée sur l'eau. Une autre théorie avance que l'eau a été utilisée pour aider au transport et à la mise en place des blocs de pierre. Les chercheurs suggèrent que l'eau pourrait avoir été utilisée pour lubrifier les surfaces des rampes ou pour faire flotter les pierres le long de canaux ou de voies navigables. Cette théorie est soutenue par la découverte de systèmes de canaux anciens et de structures de gestion de l'eau dans la région. 4. Le Sphinx de Gizeh. Le Grand Sphinx de Gizeh est l'un des monuments les plus emblématiques et mystérieux de l'Égypte ancienne. Cette statue colossale, située près des pyramides de Gizeh, représente une créature mythique avec le corps d'un lion et la tête d'un pharaon, traditionnellement identifié comme le pharaon Khafre. Le Sphinx a longtemps fasciné les chercheurs et les visiteurs en raison de ses caractéristiques énigmatiques et des mystères entourant sa construction et son but. 4.1. L'anatomie du sphinx. Le grand sphinx est sculpté dans un seul bloc de calcaire et mesure environ 73 mètres, 240 pieds, de long, 19 mètres,
62 pieds, de large, et 20 mètres, 66 pieds, de haut. Le corps de la statue est celui d'un lion couché, avec une tête ornée d'une coiffe royale, connue sous le nom de Némès. On pense que le visage du sphinx représente le pharaon Khafré, bien que certaines théories alternatives avancent qu'il pourrait représenter un autre souverain ou une divinité. Le sphinx avait à l'origine une barbe, qui a été partiellement brisée dans l'Antiquité. La statue présente également une série de sculptures et d'inscriptions énigmatiques, qui ont fait l'objet de nombreux débats académiques. Les yeux du sphinx sont alignés avec le soleil levant, et son corps fait face directement vers l'est, suggérant une possible connexion avec le culte solaire. 4.2. Théorie de construction et de datation. La datation et la construction du sphinx ont été des sujets de débat considérables. Le consensus égyptologique traditionnel soutient que le sphinx a été construit pendant le règne du pharaon Khafre, vers 2500 AD. Cette datation est fondée sur la proximité du sphinx avec le complexe pyramidal de Khafre et les similitudes stylistiques entre le sphinx et les statues de Khafre. Cependant, des théories alternatives suggèrent que le sphinx pourrait être plus ancien que ce que l'on croit traditionnellement. Certains chercheurs proposent que le sphinx pourrait dater de la période prédynastique, sur la base de preuves géologiques de motifs d'érosion. Cette théorie, connue sous le nom de hypothèse de l'érosion hydrique du sphinx, suggère que le sphinx a pu être soumis à une érosion significative due à l'eau, indiquant qu'il précède l'histoire connue de la période dynastique. 4.3. L'énigme du but du sphinx. Le but du sphinx reste un sujet de spéculation considérable. Bien que les interprétations traditionnelles suggèrent que le sphinx a été construit en tant que figure gardienne du complexe pyramidal et comme représentation du pouvoir de Khafre, d'autres théories proposent des fonctions alternatives. Gardien de la nécropole. Le sphinx est souvent considéré comme un gardien de la nécropole, protégeant le complexe pyramidal et les tombes des pharaons. Cette interprétation s'aligne avec le rôle du sphinx dans les pratiques religieuses et funéraires de l'Égypte ancienne. Symbolisme. Solaire. Certains chercheurs soutiennent que le sphinx pourrait avoir un lien avec le culte solaire. L'alignement du sphinx avec le soleil levant et sa représentation d'un lion pourrait être lié aux divinités solaires et au rôle du soleil dans la cosmologie égyptienne. Marqueur astronomique. L'alignement du sphinx avec des événements célestes, tels que les solstices et les équinoxes, a conduit certains chercheurs à proposer qu'il a pu servir de marqueur astronomique. Cette théorie suggère que le sphinx était utilisé pour suivre les cycles astronomiques et s'aligner avec des événements célestes importants. 5. Le plateau de Gizeh et son complexe. Le plateau de Gizeh abrite non seulement les trois pyramides et le sphinx, mais comprend également un éventail d'autres structures et caractéristiques qui contribuent à l'importance globale du site. 5.1. Les fosses de bateaux solaires. Près de la grande pyramide de Gizeh, deux fosses à bateaux ont été découvertes, contenant les restes de grands bateaux en bois. Ces bateaux, connus sous le nom de bateaux solaires, ont été enterrés aux côtés de la pyramide et sont censés avoir été destinés au voyage du pharaon dans l'au-delà. La découverte de ces bateaux fournit un aperçu des croyances religieuses et des pratiques funéraires de l'Égypte ancienne. 5.2. Les tombes mastabas. Le plateau de Gizeh présente également un certain nombre de tombes mastabas utilisées pour l'enterrement de fonctionnaires de haut rang et de membres de la cour royale. Ces tombes, caractérisées par leur structure rectangulaire à toit plat, offrent des informations précieuses sur la vie et le statut des individus ayant vécu pendant la 4e dynastie. 5.3. Le temple de la vallée. Le temple de la vallée, situé près du sphinx, est une autre structure significative sur le plateau de Gizeh. Ce temple est censé avoir été utilisé pour la purification des défunts et pour des rituels liés au processus funéraire. Le temple de la vallée est remarquable pour ses grandes statues de Khafre et sa construction en calcaire bien préservée. 6. Recherche moderne et découverte.
les recherches en cours et les découvertes archéologiques continuent de faire la lumière sur les mystères du Sphinx et des pyramides de Gizeh. Les récents développements technologiques et techniques scientifiques ont fourni de nouveaux éclairages sur la construction, le but et l'histoire de ces monuments anciens. 6.1. Enquête géophysique. Les récentes enquêtes géophysiques, y compris le radar à pénétration de sol et l'imagerie par résonance magnétique, ont été utilisées pour explorer le sous-sol du plateau de Gizeh. Ces enquêtes ont révélé des caractéristiques et des structures précédemment inconnues, offrant de nouvelles possibilités pour comprendre la disposition et la construction du complexe pyramidal. 6.2 Études environnementales. Les études environnementales se sont concentrées sur les facteurs géologiques et climatiques qui ont pu influencer la construction et la préservation du Sphinx et des pyramides. La recherche sur les motifs d'érosion, les sources d'eau et les changements environnementaux a fourni un contexte précieux pour comprendre l'histoire du site et les défis auxquels étaient confrontés les bâtisseurs anciens. 6.3 Archives, historiques et textes. Les chercheurs continuent d'examiner les textes égyptiens anciens et les archives historiques pour obtenir des éclairages sur la construction et le but du Sphinx et des pyramides. Ces archives, y compris des inscriptions, des hiéroglyphes et des récits historiques, offrent des indices sur l'importance religieuse, politique et culturelle des monuments. 7. Représentation, médias et culture populaire. Le Sphinx et les pyramides de Gizeh ont été largement représentés dans les médias et la culture populaire, servant souvent de symboles de mystère et de grandeur ancienne. Films, documentaires et littérature ont exploré les mythes, légendes et théories associées à ces structures emblématiques. 7.1 Films et documentaires. De nombreux films et documentaires ont exploré les mystères du Sphinx et des pyramides, offrant une gamme de perspectives sur leur histoire et leur signification. Ces productions mélangent souvent des faits historiques avec des théories spéculatives, contribuant à la fascination continue pour ces monuments anciens. 7.2 Littérature et art. Le Sphinx et les pyramides ont également inspiré une abondance de littérature et d'art, allant des œuvres classiques de fiction aux analyses contemporaines. Les artistes, écrivains et chercheurs ont puisé dans l'imagerie et le symbolisme de ces structures pour explorer des thèmes de mystère, de pouvoir et de sagesse ancienne. 8. L'héritage du Sphinx et des pyramides de Gizeh. Le Sphinx et les pyramides de Gizeh continuent de captiver et d'inspirer des personnes à travers le monde. Leur héritage durable témoigne de l'ingéniosité et de l'ambition des anciens Égyptiens, et leur influence s'étend au-delà du domaine de l'archéologie et de l'histoire. 8.1 Signification culturelle. Le Sphinx et les pyramides ont une signification culturelle profonde, représentant les réalisations et les aspirations de l'une des premières civilisations du monde. Ils servent de symboles de l'ingéniosité humaine, de la persévérance et de la quête de compréhension. 8.2 Valeurs éducatives et de recherche. Ces monuments fournissent des aperçus inestimables sur la société, la religion et la technologie de l'Égypte ancienne. Les recherches et études continues sur le Sphinx et les pyramides contribuent à notre compréhension plus large de l'histoire humaine et du développement culturel. 8.3 Tourisme et préservation. Le Sphinx et les pyramides sont des attractions touristiques majeures, attirant des millions de visiteurs chaque année. Les efforts de préservation et de protection de ces monuments sont cruciaux pour garantir leur survie continue et leur accessibilité pour les générations futures.